بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. اليوم في هذا الفيديو راح نديرو 3 اكزامبل على لي باز ديو ميثود. نبدأ بالبرومي اكزامبل. عندنا ليكزامبل ديتود كما قلنا هو بيكسينيا غرامينيا سوفيلون بيكسينيو ميكوتينا. لا كلاس نتاع بيكسينيو ميسيت اي لوردرو des Puccinia. Le genre de l'espèce sera Puccinia graminée. Ici le nom scientifique, on t'arrête le champignon. Mais il y a un genre de la roue du blé. Et le Puccinia graminée, il y a un genre de la roue du blé parce que le champignon parasite le blé. D'accord. Ou c'est une maladie et on la roue du lait ou la roue noire. Donc madame head champignon parasite du blé c'est mieux head champignon champignon phytopathogène. Donc c'est une pathologie pour la plante mais c'est pour l'être humain. Donc head champignon c'est un champignon phytopathogène très important. Ou le seul champignon phytopathogène est lié à Hengraou Hengraya les exemples de les basidiomycotes. Donc il faut le retenir. Malheureusement, la maladie de la rouille est une maladie cryptogamique qui touche de nombreux végétaux. Si elle ne menace pas la survie de la plante atteinte, elle cause en revanche des dommages d'ordre esthétique et un affaiblissement du végétal. Ou bien sûr, les agents pathogènes responsables de la maladie sont des champignons basidiomycota parasites. La particularité de ces champignons est le cycle de développement de ces champignons. Head champignon a besoin d'un hôte intermédiaire. Donc, en plus de la plante qui va la parasiter, il a besoin d'une autre plante pour avoir le cycle de développement complet. Donc, les conditions pour le développement de ce champignon, un deuxième hôte, un hôte intermédiaire. Donc, à côté du blé, l'hôte intermédiaire de champignon ou l'épine vinette. C'est une arbuste. Et normalement, on a rappelé que là, je gérerai le barbaris. D'accord. L'épine vinette ou l'hôte intermédiaire, les hôtes champignon Puccinia graminée. Bêche et Kemmel le cycle de développement d'un. Donc la particularité de ce champignon est qu'il y a deux hôtes. L'hôte le blé, mais un autre hôte intermédiaire. D'accord, le roi l'épine vinette. Ou là, le nom scientifique d'un roi Berberis vulgaris. D'accord. هذه هي لا بارتيكولاريتي نتاع هذا الشامبينيون. بالنسبه لهذا اللوت انترميديير بيرغوريس فولغاريس هذا كيما في فلا فرانس ولاو ينحيوها هذا لا بلانت هذه هذا لاربوست هذه ينحيوها يتخلصوا منها سورتو في الحقول اللي قريب منها لي ايتو باسك هي اللي تعتبر كأوت انترميديير يستغلها هاد الشامبينيون باش يبارازيتي لو بلي مي كاين كيما في نورمالمون في كندا سي انتردي انو واحد يزرع هاد لي بين فينيت نورمالمون في كندا في ايران ولا تزرعها هي الاولى نورمالمون اللي تزرع هاد لي بينفينات
هي إيران، تزرعها بزاف. تاني عندها بزاف استعمالات في لاسونتي، عندها تستعمل كيما الجيلاتين، فيها واحد المادة يديروها في الكونفيتور، جوغ يجمدو بيها شوية الكونفيتور كيما الجيلاتين. تاني يستعملوها في الميديسين تراديسيونيل، كانوا يستعملو لي فروي تاعها بزاف، باغ اكزومبل بور تريتي لاكني. و تاني كاين لي يستعملها في لاكويزين. مي لي فروي تاع هاد البلونت عندها اون سافور تري فورت اي فورتمون اسيد، مي ريش اون فيتامين سي. ليسونسيال هاد لا بلونت عندها استعمالات بزاف في الميديسين تراديسيونيل ولا في لاكويزين ولا تاني كاينين كيما في الهند ولا تاني يستعملوا لي راسين تاعها، مي توجور توجور ليتيزاسيون تاعها ريست ليميتي ا كوز دو غو امير نتاع لي كورس ونتاع لي راسين اي تو. مي كيما قلنا كيما كاينين بلدان يستعملوها، كاينين بلدان انتردي عندهم زراعة تاعها، سواء كندا ولا ولا في سيغتان ريجيون دي زيتازوني. داكور، دونك هادو هما معلومات على هاد ليبين فينات لي تعتبر كانوت انترميديير نتاع هاد شامبينيون بيكسينيا غرانيني، باش يبارازيتي لو بلي ويديرلنا لا مالادي دو لا رو دو بلي ولا روي نوار. دونك هادي هي لا بارتيكولاريتي نتاع هاد الشامبينيون، هو عندو دو هوت. دونك لو سيكل دو سيت اسبيس اي لو بلو كومبلكس بارمي لي بوكسينيوميكوتينا، كار il fait intervenir دو هوت اي تاني 5 formes de spores. Donc il y a 2 hôtes et 5 formes de spores. Le cycle Tao est le cycle le plus complexe. Fkamen les champignons les intermiou les puxinium nicotine. Donc head l'espèce est rouleau espèce hétéroïque. Ou le cycle est hétéroxène. Tellement had champignon le cycle tero est hétérogène, un de deux types de haute ou un de cinq types de spores et rouleau hétéroïque, espèce hétéroïque, donc le cycle hétéroxène. D'accord, à part qu'il ait besoin de deux hautes et cinq formes de spores. Had au moins les deux particularités de had champignon. Donc, c'est l'espèce hétéroïque et le cycle hétéroxène. Je vais vous donner le premier exemple, ou chez un nom. Maintenant, le deuxième exemple. Deuxième exemple, on a Malassezia furfur. Donc, comme ce filon ustilagino-nicotinant, l'ordre des Malassezial. Et le genre et l'espèce roi Malassezia furfur. Donc on a Malassezia, il n'y a même pas la classe, mais qu'un chkam sous classe aussi, ou directement sous filon, l'ordre. Hada roi l'aspect de Malassezia furfur sous microscope. Donc Hada Malassezia furfur a une particularité. C'est pas un champignon macroscopique. Mais chez qui l'aide, je fais la majorité des champignons, les thermophilons des basidionicotas sont des champignons macroscopiques, à pied et chapeau. Mais toujours, on a des exceptions. Rare et ou l'exception, je fais la haine, il y a nous, aide le Malassezia furfur, rendu, taille unicellulaire, le viriforme. C'est un champignon microscopique, mais chez champignon macroscopique, qui m'a moins fait chez vous, à
دونك هذه اون اكسبسيون. بالنسبه لهاد ليكزامبل مالاسيزيا فيرفيو اون غوا لو فوا اون بارازيتولوجي اون 4ème année ان شاء الله. هاد شامبينيون سيت ان شامبينيون باتوجين pour l'être humain, d'accord, l'herbe Buxinia graminée phytopathogène, pathogène pour la plante, exactement le blé, il s'agit d'un deuxième hôte, l'épine vinette, mais red champignon Malassezia furfur, pathogène pour l'être humain, d'accord. Provoquer des infections dermatologiques. يظهر بزاف تاني عند الزيمينوديبريمي. يظهر بزاف تاني عند الزيمينوديبريمي في ستريس اي تو. لاسبيتارو هي كون دي بلاك سور لا بو. En fonction de la teinte de la peau, on a une couleur différente de la peau. Donc, en général, il y a la couleur terre, les plaques, les bobos, les conopes, peut-être les champignons, les conopes de couleur claire à la peau. Mais j'ai toujours créé des cas particuliers où les conopes ont les taches de couleur foncée à la peau. Donc en général, le cas essentiel, on oublie les plaques, les dards de la peau, c'est peut-être champignons. En fonction de la teinte de la peau, on a une couleur différente de la peau. D'accord. En général, on a une couleur claire de la peau, mais il y a des cas où il y a une couleur foncée de la peau. Le nom de la pathologie l'espèce Malassezia furfur voit le pityriasis versiculum. Donc c'est l'aspect de Malassezia furfur sur le microscope. Donc là je vais l'aspect de ça et tout. Ou c'est la photo de la maladie de le pityriasis versiculum. هذا لو نون تاع المالادي اللي سببها هاد ليسبيس تاع مالاسيزيا شوفو دونك لا بارتيكولاريتي تاع هاد الشامبينيون نقولوها ونعاودوها هو انه ماشي كيما كان لي شامبينيون بازيديوميكوتا ماكروسكوبيك هو سي تاع شامبينيون ميكروسكوبيك دون لاباراي فيجيتاتيف اي توني سيلولير لو فيري فور. D'accord. Donc, une particularité par rapport à l'appareil végétatif. C'est une exception pour cette champignon. Marjou, l'aspect de la Malassezia furfur, la levure de l'espèce est de forme variable. Mais en général, nous avons des levures rondes à ovalaire. D'accord, on aura des levures rondes à ovalaire. Qui met un doigt d'observer, un doigt ronde, 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 des ovalaires par exemple. Ou des, c'est une levure en bourgeonnement hein, à travers des blastospores. D'accord, c'est une levure en bourgeonnement. Bien sûr, il y a une reproduction asexuée et se fait par bourgeonnement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une particularité de la champignon. La reproduction terre est faite par bourgeonnement. Donc, c'est une reproduction asexuée. Par contre, on dit que dans les bases idiomécotables, il y a une reproduction sexuée. Donc, la reproduction sexuelle des bases idiomécotables est fréquente. Mais par contre, la reproduction asexuée chez les bases du Mikota est rare. Mais Kaina, imaginez l'exemple d'études Malassezia furfur, il dit que la reproduction asexuée se fait par bourgeonnement
et tout. Donc هادو هما لي بارتيكولاريتي فهاد الشامبينيون تاعنا ماليزيا فور شور. قبل ما نفوتو للثالث اكزومبل راح ندو ثاني معلومات على هاد لا مالادي لو بيتيرياسيس فيرسيكولار. Le pityriasis versicolor est une mycose cutanée superficielle bénigne qui se traduit par l'apparition de taches sur la peau. D'accord. Une mycose est une infection due à un champignon microscopique qui m'a rappelé. Dans le cas de pityriasis versicolor, il s'agit d'une levure du genre Malassezia. On a dit l'exemple Malassezia furcium. La maladie se déclare majoritairement chez des sujets jeunes et plus sauf pendant la saison chaude, parce que la chaleur étant un milieu favorable au développement de ce champignon. D'accord. À devenir maintenant la pityriasis versicolor. Donc le troisième exemple, après l'exemple fait la vidéo, un exemple d'étude auricularia judée. Il connaît oreille de judée. Maintenant, ce filon agaricomycotina et classe agaricomycète, l'ordre des auriculariales, la famille des auriculariacées. D'accord, et le genre d'espèce. Cette champignon indo l'hyménium nu. L'hyménium nu, maintenant, non protégé. D'accord. Chouffou, la forme terre, il y a la forme de l'oreille. Ou dernier, cette champignon indo carpophore gélatineux ou vivre sur le bois mort. Donc c'est un champignon de mode de vie saprophyte. D'accord. Madame vit sur le bois mort. C'est un les champignon et le mode de vie terreau et saprophyte. Le mode de vie de champignon auricularia ou mode de vie ça profite. Au terni, c'est un champignon bon comestible utilisé en gastronomie chez les autres pays. Donc, dans la vidéo, je fais l'exemple de les rois, un champignon phytopathogène, où je fais les particularités terreaux. Deuxième exemple, chifna champignon pathogène pour l'être humain, chifna la maladie d'anuchisimura, chifna la forme terreau, les particularités terreau. Troisième exemple, chifna fihadani, un champignon, mais chi kima les autres champignons tani, fait des particularités, surtout la forme, la protection terminée. Et tout, où je fais le mode de vie terreau, où je fais belli, c'est un champignon bon comestible. Donc, l'eau phytopathogène, deuxième pathogène pour l'être humain, troisième bon comestible. Beaucoup de champignons ont une particularité. Mais je suis les autres champignons, les hommes, un pied et chapeau. Et le dernier des exemples de l'ani, bêche, chauffeau, les ticons. On voit comme les champignons macroscopiques à pied et chapeau, on voit comme qu'il y a des particularités. Donc, je vais vous donner des exemples de particularités. Benzba, la reproduction, l'appareil végétatif, la forme, le type de pathologie. Est-ce que comestible ou non? Ou la pathogène? Est-ce que phytopathogène ou la pathogène pour l'être humain? Donc, il y a plusieurs variations. Les champignons ont les basidiomycota. Qu'on a appelé le filon des basidiomycota, c'est un vaste filon. Donc, comme on a les trois exemples, les vidéos, comme on a vu les vidéos,
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. بون كوراج، سلام.